Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne. On retrouve notre campagne XCOM 2, mode légende Iron Man. On souffre, mais on aime ça. Non! Ça commence mal, le misclic. Ouf! Bon. Voilà. Donc, on a une petite mission où il faut qu'on aille pirater un machin bidule là-bas. Tout en essayant de pas mourir. Ça, c'est le plus facile. Allez. On va scouter un peu tout ça. Tac. Pas de temps à perdre. Donc on a un faucheur et un Une escarmoucheur. patrouille extraterrestre. Hop, on trouve nos premiers robots. J'ai bien fait d'emmener un grenadier. Sauf qu'il n'a pas encore. Enfin, elle n'a pas encore l'option pour lui défoncer son armure. Donc de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Deux points d'armure hein, qui réduisent tous les dégâts de deux. Donc ça en fait des bons sacs à PV. Ça c'est quoi? C'est Jennifer Will Washington, do. donc recrue. Toi, je vais pouvoir te faire sauter. Pour gagner un peu de place, Déplacement un peu de tactique. déplacement. C'est bizarre de ne pas avoir Pratalmox. Hop. Je vais vous demander. Juste souhaiter qu'il se dirigeasse vers moi, c'eût été plus simple. Qu'est-ce que je peux faire sauter? Rien m'intéresse. On va prendre un peu de hauteur. Est-ce que je peux les aggro tout de suite? Un coup de grenade à frag. Bon, ils sont tous les trois bien regroupés. Ça peut être aussi l'occasion. Ça me permettrait de faire sauter un point d'armure. Allez, boum. J'adore la position qu'elle a prise pour tirer sa grenade. Ces unités de combat mécanisées sont très bien équipées. Nous allons devoir trouver leurs points faibles si nous voulons pouvoir espérer les vaincre. Alors là, ça fonctionne toujours pas. Ça inflige pas beaucoup de dégâts les escarmoucheurs, mais ça peut tirer deux fois. Tiens. Pas sûr d'arriver à faire grand chose. Mais... Shot wide. Non, c'est not good. Ah ou alors sinon.
Ça peut être pas mal. On voit ça, je fais sauter son dernier point d'armure. L'avantage, c'est que ça arrête pas son tour. Et en plus, il tombe. Ah non, il tombe pas, merde. Ok. Oh merde. Il a découvert lui. Oh putain, j'avais pas vu ça. Bon, j'espère qu'elle sera pas repérée. J'aurais bien vu si j'avais réussi à faire... Ouais, c'est bon. Si j'avais réussi à faire péter le sol, en fait, ça permettait que... qu'ils prennent des dégâts en tombant. Partie des petits dangers du fait de se mettre comme ça en hauteur. Alors soit j'ai 60% de chance de le tuer, ce qui est pas génial. Ah, ou alors sinon je fais un petit protocole de combat comme ça, je suis sûr de le tuer. J'aurais pu le faire aussi sur le robot, ça aurait été peut-être mieux. Tant pis. Eh merde, j'ai l'assassin en plus. J'aurais du mal à pas prendre de dégâts. Attaque à courte portée, les faucheurs. Voilà. Il me reste encore tant à faire. Mais prends pas de dégâts de. Je crois que cet élu nous a pris pour cible. Restez sur vos gardes et ouvrez l'œil. Oh putain. Oh, ça commence bien. Allez. Un nouveau coup à votre non. Peuple. Je fais combien de points de dégâts là? 4 à 6. Donc j'ai qu'une chance sur 3 les tuer. Et là, je peux pas le prendre à revers. Bon, la mission commence mal. Ok, I'll go. Allez. Go go go. Tiens. I definitely got that one. Ok. Est-ce que je peux pirater? ? 53% vision co. Mais ouais. 47% de d'emmener un autre groupe. On va éviter. Donc on va se mettre en Overwatch. Vous. Qu'est-ce que je vais faire avec les autres? C'est là-dessous. Traître, les enfants.
de choix avec les autres vermines de votre espèce. Elle, c'est ça, rien à mettre en Overwatch. Par contre, ça m'intéresserait éventuellement de savoir où se trouve le groupe supplémentaire. Je cours la zone. Là, par là. Allez, mais par là, très bien. Je suis là. Dommage. Pour l'esquive. Ouais, ils sont que deux. Alors, 76% à revers. Hein. Allez, toi je vais tenter de te pull. On dit que c'est une très bonne compétence. Du coup, quand on n'a plus de munitions, bim. Comme ça, ça le fout à découvert. Les autres peuvent se servir. Tac. Roger that. 90%. Boum. T'as eu plein de sang sur toi. Parmi les créations des anciens, toutes ne sont pas égales. Alors, j'aimerais que tu puisses descendre. Où est-ce que je peux rentrer ? Là, ça a l'air d'être ouvert. Je vais aller par là. Ah ah ! Surprise ! Elle est déjà là, la... Pas bon, Mayday. Vous allez devoir retourner en captivité, commandant. Mayday. Je ne veux pas qu'elle m'embête, mais elle va le faire. Ah, je pensais pas qu'elle serait aussi proche. À nous de la battre. Je vais faire absolument pas assez de dégâts. Ça ne suffira pas à m'arrêter. Oui, je sais bien. Et là, je suis sûr d'être repéré. Oh là 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 là. Et je peux. Alors non, je... Oui, sauf que si je fais ça... Putain... Ouais, je pensais pas qu'elle serait si proche que ça. De toute façon, je vais me prendre du dégât sur la tronche. Hein. Pas y faire grand chose. Je me suis déjà déplacé, donc ça vaut pas le coup que je fasse. Si je ferais plus de dégâts, mais c'est tout. Alors, le truc, c'est que si elle va m'aggro l'un de ceux-là. Parce que, en fait, quand elle agit deux fois. C'est-à-dire qu'elle va attaquer. Et derrière ça, elle se redéplace. Je fais quoi? Je fais 4 à 6 parce que... ouais. Le risque, en fait, c'est qu'elle aille... En fait, ce que je veux pas, c'est qu'elle aille attaquer Dragunova et que derrière, elle se barre dans ce coin-là. Parce qu'en fait, elle peut...
Je déteste combattre l'assassin. Bien plus que les deux autres. Les deux autres élus sont beaucoup plus faciles à gérer. Enfin, plus faciles à gérer. Parce que voilà, il n'y a pas le côté furtif. Je vais tenter de faire ça. Je vais faire un travail d'équipe. ...55% seulement. C'est déjà ça. Le truc c'est qu'elle craint pas non plus les tirs de réflexe. Ah, elle a fait une invoque. C'est presque mieux. Parce que du coup, elle peut pas attaquer. Et merde. Ils nous ont trouvé. Ah, et elle brûle. Ah bah si, oui, d'accord. Tant qu'à faire, elle fait les deux. Jamais l'une sans l'autre. Je pars m'abriter dans les ténèbres. Alors, tu vas où? Tu vas là. On dirait que l'élu a étourdi l'un de nos soldats. Nous devons envoyer quelqu'un l'aider à se remettre sur pied avant que cette créature n'ait le temps de l'attaquer. Tout va mal. Alors, toi je peux te mettre là. 27% et en plus je pourrais pas péter son couvert, je pense. Et elle est insensible aux dégâts de... Je crois bien qu'elle est insensible aux dégâts de... d'explosion. Putain, je pouvais pas, je pensais pas qu'elle pouvait à la fois invoquer et attaquer quoi. Je sais plus si... Là, ça a l'air d'indiquer qu'elle prend des dégâts, quand même. Ça me permettrait moins de péter son armure. Bon. C'est peut-être une connerie, ce que je fais. Hein. Voilà, c'est bien. Ah, bon. Alors, c'est un peu mieux, sauf que là, je suis trop loin, donc du coup... Je peux pas le réanimer. Oui, normalement, il est censé être là. Il me met ici. Ouais, manifestement, là, je peux pas y aller. Ouais, j'aurais mieux fait. Parce que sinon... Je vais réanimer lui, mais du coup je peux pas tirer dessus, et du coup elle peut réattaquer. Et voilà, et si j'avais eu un perso de plus, et ben j'aurais pu me démerder, mais j'ai pas un perso de plus parce qu'il s'est fait tuer comme un con. Parce que ce jeu est vraiment trop injuste. Et j'ai 4 tours pour aller jusque ici. Hein. Tout va bien et avec sans doute un autre groupe entre les deux. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien. Good to go. Je sens que je vais le regretter. Points de dégâts. Il en reste 9. Putain. Je suis né dans les ombres. Je vais la remettre.
Je pense pas que je puisse le réanimer. Couvrez-moi. Sachant que c'est ma fin de tour 6. Une vulgaire égratignure. Bien, je suis resté invisible. Sauf que... Sauf que j'ai plus de munitions. Donc il faut que je puisse me barrer. Je vais éventuellement pouvoir faire ça ici. Ce qui ne veut pas dire que je serai à l'abri de tout tir. Je me repositionne. Et puis bah, je vais recharger. Ah, c'est bien les trois points de moulure. Tu vas t'attaquer à Smile, j'imagine. Touche pas, touche pas, touche pas, touche pas. Oh putain! C'est pas possible, bordel. Ça fait quoi ça? Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Un soldat est à terre. Relevez-le avant que les lunes le trouvent. On it. Pourquoi je peux pas tirer? Putain, c'est pas possible. This might sting a little. J'ai fait la connerie de... Oh. On ne savait pas. Je bouge. C'est pas possible, quoi. C'est tout ce que méritent les extraterrestres. J'ai besoin qu'on me ravitaille. Allez, reste planqué, s'il te plaît. Te prends pas de coups. Ouf. Je regrette de fuir devant un adversaire valeureux, mais les anciens ne me laisseront pas mourir ici. Nous nous reverrons. Demain, commandant. Mais il n'y a plus aucune trace de cet élu. Même si nous avions déjoué ses plans pour l'instant, j'ai l'impression que nous nous recroisons. Bon, et j'ai trois tours pour retourner. Dans l'autre sens, il faut que je rush. Je vais me placer. Double time. Trois tours, je vais jamais y arriver. Affirmative, covering now. Je vais où on a besoin de moi. Allez. Deux tours. Vraiment, j'ai pas la moindre idée comment je peux y arriver en deux tours, sinon. Je bouge. Et voilà. Il est temps de nous battre avec exactement ce qu'il fallait je pas. Vois la mais forcément, ça y est. Mais en plus, je le savais, hein.
plus leur foutre fufu. C'est ma seule chance d'être. De faire ça à distance. Normalement, je vais pouvoir y arriver avec le spécialiste. Mais... au prochain tour, j'ai absolument pas d'option. En plus, là, j'en ai un qui peut tout me cramer. Il faut que je puisse le voir en visuel. Je sais pas trop quelle est la portée du Gremlin. Je sais absolument pas ce que je peux faire. J'ai un seul tir, je suis complètement à découvert. Je vais où vous voulez. Je dois reculer. Et oui, et du coup, il va me défoncer ce maillot. Voilà, voilà. Look my life. Et je fais porter. Oh putain, il m'a raté. Ils essaient de nous contourner. Et là, je peux pas l'attendre. Ça, si, je sais pas. Là, j'ai plus de grenades pour lui défoncer sa, son armure. Là, j'ai un seul tir possible. Ouais, je peux tout faire sauter. Sinon, je me barre. Parce que là, si je rush, je crois qu'il me faut une action pour activer ça. Je suis quasi sûr de ça. Et j'aurais pu me mettre de l'autre côté. À la limite, j'aurais été à couvert. Mais non, même pas. Quasi sûr de ça. Voilà, il y a le petit engrenage, ça veut dire que je peux le faire, mais pas forcément. Mais il faut, je crois, une action. Tandis que là, le petit engrenage, je le vois pas. Ah ouais, si. Là, on le voit, mais je peux pas le faire avec une action ici. Je suis trop loin. Je vais donc pas y arriver. Je peux pas réussir la mission. Donc il faut que j'arrive à les défoncer en essayant de ne plus perdre de personnes. Ce qui va pas forcément être très très simple. Vu ma position, vu mes blessures et vu mes adversaires. Alors...
De toute façon, tu ne peux tirer que sur lui. Donc on va oublier la mission. De toute façon, j'ai pas bien le choix. Là, je peux éventuellement balancer mon Claymore, ce qui me garantirait que lui soit tué. Là, par contre, ça ne me garantira pas que lui soit tué, puisqu'il a 5 PV et il a 6 PV, je lui n'en fiche que 5. Lui, je peux pas le mettre à couvert pour qu'il puisse tirer sur celui-ci. C'est bien dommage. Je peux lui tirer dessus, mais il sera forcément à découvert. Parce que là, j'ai ce rebord-là, il manque une case, forcément. Sinon, j'essaye au moins de reculer. C'est un peu reculé pour moins bien sauter. Hein. Il me faudrait les couverts complets. Je vais faire ça. C'est pas génial, j'aurais bien aimé aller plus loin. Est-ce que toi, tu peux te mettre... Donc là, c'est couvert partiel, sachant que tu as quand même plus de 2 PV. C'est quand même pas idéal. Pourquoi est-ce que là, ça ne me dit pas que je suis à couvert? J'aime pas du tout ça. Bizarre. Est-ce que c'est un bug graphique? Si je me mets de l'autre côté par exemple, ah oui, il n'indique pas non plus de couvert là. Alors ça veut dire que si je suis ici, ah non, là je vois personne. Là je vois quelqu'un. Ah, j'ai encore un protocole. On va essayer ça comme ça. J'ai encore un protocole de combat qui fait que lui prend cher quand même. Ça lui fait 4 à 5 points de dégâts en ignorant l'armure. Si jamais... Avec un peu de bol, si jamais je fais 6 points de dégâts, il faut vraiment beaucoup de bol. Et vu comment c'est parti cette mission, j'y crois moyen. Donc. Ah, j'ai fait 6 points de dégâts. Protocole de combat, j'ai une chance sur deux de le tuer. Bon, j'ai tué le plus gros. Il reste à se faire les deux petits. Alors, tu peux imaginer faire ça. Sacrée course. Du coup, ça me... Ah ben oui, non, d'accord. Pourquoi est-ce que je peux pas... Pourquoi est-ce que j'ai pas pu tirer? Ils concentrent leur tir sur moi. J'ai pas compris. Le transpondeur du réseau d'Advent n'envoie plus de signaux. Les forces ennemies ont verrouillé le terminal. Ben ouais. Je suis au courant. Ah. Là, j'ai quelqu'un qui a découvert. Ça, ça m'arrangerait de découvrir. Yes. X-ray neutralized. Non, il a pas du tout la même voix que... Ah mais non, c'est Smile, c'est pas... C'est pas l'escarmoucheur. Alors là, je vais y aller à coup de Claymore. Hein. On va pas...
On va pas finir. Hop. Un piège mortel. Allez. Chier. Un tour près. Menace 1-5, statut confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Menace 1-5, la zone d'opération est sécurisée. Beau travail, commandant. Non, pas beau travail du Nous tout. Nous avons envoyé les élus à leur maître, avec de belles balafres pour toute récompense. Mouep. C'était un demi-succès quand même, hein. Deux morts, une mission ratée. Les activités dissidentes ont diminué dans tous les territoires. L'interdiction de voyager entre les centres urbains a été levée. Rappelez-vous, un comportement... Bon, j'ai réussi à buter un élu. Ouais, commémoration, lui qui venait de... que je venais de recruter, quoi. Protocole de détraquage, protocole de stimulus. Hop. Et là, perforateur, c'est tellement utile, cette compétence. Une lunette vieille augmentée de 5%. Ouais, je sais, lien de frère d'armes disponible, je suis au courant. Donc, le prochain ravitaillement, j'aurai très peu. Bon, je récupère un Templier. C'est là pour que cette la prix. Faction des Templiers a installé son QG. Je dois bien avouer qu'ils sont un peu. Extrême en matière. J'aime beaucoup les Templiers, mais je suis pas sûr comment le légendaire il soit bien efficace. Nous pouvons scanner l'endroit pour obtenir le soutien de leur peuple. En mode de. En fait, en fin de partie, j'ai trouvé qu'il était quand même moins bien. Pour les anciens, nous ne sommes qu'une simple matière première. Nous retrouverons notre pouvoir pour le retourner contre eux. Ils sont classe. Ils ont un truc, c'est qu'ils sont classe. Enfin, nous nous rencontrons. Ils sont plus de... plus de chances d'être blessés qu'une moyenne. Ça, ça pourrait m'être utile, tiens. Ma légende dépasse de loin les frontières de cette région. Vous serez toujours le bienvenu ici. Parmi tous vos semblables... Alors, ça, c'est pas ce qui est le plus important. La puissance des anciens. Vous avez touché leur esprit, entendu leur voix. Je vais essayer de choper ça. On va encore avoir nos deux larrons, là. Hop. Tu as une petite promo au passage. Un autre soldat. Hop. Tac. Ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Et on va essayer de débloquer ça. Deviennent plus habiles. La résistance peut prendre plus de responsabilités si c'est nécessaire. Énergie Je viens d'apprendre que nous avons de nouvelles occasions d'attaquer les anciens. Atelier de jour. Si vous voulez les pourchasser, on fera le travail, pas de soucis, commandant. Hop, 10 jours, donc ça me permettra d'en bénéficier au prochain ravitaillement. Merci, commandant. Alors, l'atelier, très utile. Je sais que nous manquons donc le principe, c'est que on met un ingénieur dedans. Hop. Et un ingénieur égale 2 gremlins. En fait, un ingénieur égale 2 ingénieurs. Hop. Voilà, ça me permet de creuser des deux côtés en même temps. 30 jours quand même. C'est pas pour tout de suite, donc ça veut dire que l'infirmerie, je l'aurai pas tout de suite. Non, je n'ai pas des ressources, par contre, j'ai contact avec la résistance en plus. Car nous ignorons tous deux ce que nous réserve l'avenir. Arme gauche, ça va être bien ça. On va pas avoir les armes gauches avant, dans 2 jours, ça va pas le faire. Ravitaillement. Bon. Les ombres. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Commandant, je dois vous prévenir,
Nous détectons des ombres dans le secteur. Nos forces devront redoubler de vigilance. Bien. Alors... donc je vais garder Pisse-Pousse et Quack le canard. Dawn Snyder, elle peut s'entendre bien avec qui? Avec Zebulord qui est tireur d'élite aussi. Et ben on va essayer de les faire fixer tous les deux. Pas de spécialiste, c'est presque pas trop grave. Mais si je vais me mettre un spécialiste. Comme ça j'ai un, deux. Ah ou alors sinon je me mets. Ah si contre les ombres, ça peut être bien. Le Templier. Il peut s'entendre bien avec qui? Karen Walker. Très bien. Alors. Lui typiquement. Je vais lui fabriquer un gilet nanométrique. Ah, il en faut 3 pour un gilet, d'accord. Tac. À qui est-ce qu'on va mettre le medikit? Un sniper. Le plus 5% de visée, ça va être pour le canonnier. On va te mettre des grenades flash des fois que ça puisse servir depuis l'arrière et on va être parti comme ça. Hop. Mercure déployée. Unité menace prête au déploiement. Allez, il faut que j'ai vraiment besoin de ressources, en particulier d'alliage et de je ne sais plus comment s'appelle l'autre, les deux matériaux un peu extraterrestres. C'est vraiment indispensable pour que je puisse progresser. Et c'est vraiment les missions de ravitaillement qui sont là pour ça. La précédente avait été un gros échec. Ils ont activé un convoi d'Advent dans la région et ils nous ont fait savoir que nous pouvions aller nous servir sur place. C'est une occasion inespérée de récupérer une partie de leur matériel. Mais il faudra d'abord sécuriser la zone et neutraliser toute présence hostile sur les lieux. Ah, alors c'est bien, d'après ce que j'entends, c'est pas l'émission où il faut marquer les caisses. Du coup, c'est pas une mission timée. Ça devrait le faire. C'est souvent plus simple quand même. Menace un sac. Le convoi désactivé d'Advent est droit devant. Yes. Engager et éliminer toutes les forces hostiles. Comme attendu, commandant. Nous captons de nombreux signaux indiquant la présence. Il y a des ombres, mais ça peut se gérer. Soyez très prudent. Le Templier peut bien faire le ménage parce que les ombres ont souvent peu de PV. Le Templier, il fait pas beaucoup de dégâts au début. Allez, on verra ce que ça donnera, mais ce sera au prochain épisode. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous auriez géré autrement cette précédente mission entre l'assassin, le choix entre la gestion de l'assassin, la gestion de la cible, la gestion de essayer de survivre. Bref, c'était pas simple. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!